scenario che mi fa sepolla. La comédame de la mission, la sœur Bernadette Valérie. Madame le pasteur titulaire, la sœur du Brutol. Madame la présidente, la sœur du Ressanon. Messieurs les musiciens et chevronnés du monde évangélique de l'Église. Les distingués groupes chanteurs de l'Église. La scrutère, c'est Castor. C'est Castor. La voix de l'Église christianiste de Brooklyn, New York. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, il est donc évident d'avoir l'occasion de sortir d'un mutisme pour traduire, bien sûr, quelques idées qui auraient fait l'objet de notre présence au 28e anniversaire de l'Église christianisme depuis son implantation aux États-Unis d'Amérique. Mais bien avant de toucher le point qu'on devrait y avoir, j'aimerais adresser brièvement nos salutations distinguées à l'auditoire qui vient en si grand nombre pour rehausser le panégyrique de cette fête commémorative que nous n'avons jamais cessé de célébrer à chaque époque de l'année. C'était indubitablement le plan de l'Éternel qui, pour une raison déterminée, aurait ordonné le visa de voyage au réveillant pasteur Jules de Valérie pour visiter les parcelles de Manhattan et de ses frères ainsi connus. En arrivant, voyant la nécessité de planter la mission et la mission, ce dernier n'aurait aucune crainte. La limite de son bizarre et les connaissances se croyaient l'une de l'autre. Et la durée des périodes ne l'aurait empêché d'effectuer ce ralliement. Quand depuis lors, le feu commençait par s'allumer, ce serait des malheureux bonhomme de compagnons de lutte se réfugier en opposition pour des causes d'intérêt personnel. Mais tout soldat de bonne volonté, malgré les vents et les marées, avait contribué à l'acquisition de cette bâtisse. C'est un acquis. Et d'autres n'ont pas délaissé, ils se sont rendus dans tout état sans s'écarter de la bergerie. Ce n'est pas dans l'ensemble. C'est ce qui aurait justifié la raison fondamentale et qui, bien sûr, rendu possible cette implantation sur la terre étoilée. Il y a de cela déjà 28 ans. Je veux bien que la lutte est encore à l'exode, mais sachant que l'avenir n'aboussera pour cela au centuple. Ces recherches, l'ombre et difficile témoignent l'éminent effort établi en la carrière, quoique parfois l'état de santé paraisse précaire. Ad majoram Dei gloriam. Car la pratique de la fraternité n'est pas seulement le rêve de votre esprit, le rêve d'humaniste à l'instar de vie, quoique son effacilité, non d'égoïste en quelque sorte, mais la vertu du cœur. C'est pourquoi nous n'avons pas tellement besoin des hommes, mais des consciences, car sans lesquelles nous pourrions atteindre le sommet qu'on devrait y arriver. C'est toujours bien Dieu, l'homme cherche à son issue dans ses grands efforts de son activité instinctive, disait le philosophe Lamartine au XVIIIe siècle. Il semblerait bien moins probable qu'on s'attendait davantage afin de pouvoir dissiper les malentendus qui auraient constitué l'obstacle dans notre parcours. Et pasteur, soyez encore remercié, car grâce à l'arrivée du pasteur chez Paul, le problème de la carence du messager a été résolu. Nous avons rencontré des ennuis dans le but d'abandonner, mais hélas, ce serait bien compté, mal calculé. C'est pour la bonne raison que je pourrais rester en extase, sans extérioriser nos mille compliments à nos frères.
ambition et qui ont conservé leur potentialité au travail du Seigneur. À cœur vaillant, rien de possible. C'est à cause de ce constat, nous vous offrons à s'appuyer à l'unité qui est une force de tout ce que l'on entreprendra. Ce n'est pas eu un motif inventé au hasard, mais de stimuler à cette approche accrue. On ne saurait davantage mettre en doute de grandes ouvertures depuis l'arrivée du révérend pasteur Jude à la tête de cette institution. Dieu soit loué et tout va dans la bonne piste. Non, nous avons travaillé du nez et des ongles pour consolider ce rêve. Nous avons connu des moments difficiles de cette date à nos jours. Mais en dépit de cela, nous sommes très fiers de ce sacrifice. Il n'est pas aussi désagréable à tout le monde le geste bienfaisant, la famille Benadamelus, le recruté de mémoire qui avait donné le laissez-passer à la mission et de matin suite et jusqu'à 1964 matin suite avant de loger en 614 et de boulevard Brooklyn, New York, suggéré par le frère Joseph d'Ambeville, par ses conseils pour la construction de cette bâtisse qui constitue le lieu de prière de tous les adhérents et adhérés de la mission du christianisme. Depuis l'époque, nous avons soutenu ce déplacement en conformité d'une centaine de fidèles qui désireraient marcher dans cette logique. Nonobstant, nous n'avons pas perdu la foi, car la foi est l'élément de base de la vie chrétienne. Ce n'est pas une hypothèse, mais une analyse, car ce n'est pas sans douleur que la société moderne a reçu le jour. Après la formation d'appartenance de ses fidèles, beaucoup de choses ont été sérieusement bougées malgré la crise économique mondiale. C'est le résultat d'une volonté commune. Ce qu'on aurait estimé, on n'est pas venu de fêter à l'instar la perte de Casse-Neu en 1749 de Rome, dans l'édicace du temple, mais de se rejoindre unanimement au divertissement de toute couche sociale pour le bien-être de l'humanité. C'est avec ce grand esprit que calonne la joie de tous les accueillis ici présents. J'aurais aimé à vous faire part de cette lecture et d'un livre de Matthieu 1:12 qui se lit comme suit. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les plus grands qui sont là-bas. Qu'il me plaise quand vous souhaitez et de l'avoir à l'idée de déchirer les pages de l'histoire. Du reste, je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour les fractions d'heure que vous avez bien voulu octroyer à la lecture de mon discours à l'occasion de la fête et inaugurale de l'église christianique de Brooklyn, New York, et sur la terre d'Abraham Lincoln, à ce jour-là.